Salut les gens, c'est Sexy Bruno. Aujourd'hui, on se retrouve bien pour ce tout premier LOL News qui est en fait par rapport à la sortie des patchs de League of Legends. Donc, on va tout de suite commencer par ce qui va se passer maintenant au début pour le niveau des champions. Et bien, au début, il y aura la sortie normalement du nouveau champion Braum. Normalement, il sortira avec ce patch-là. Normalement, c'est dans les jours qui suivront ou alors peut-être même maintenant. Je suis en train de faire une mise à jour. Il y a aussi eu des refontes, enfin des changements pour quelques persos. Pour Jarvan, Kha'Zix, Malphite, Gragas, Kassadin, Syndra et Miss Fortune. Pour Gragas, la portée de son ulti a été un peu augmentée. Qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre très intéressant? Je dis pas tout, parce que certains sont pas très intéressants. Le fil roulant, quand on le lance, on peut avoir la vision après avoir atteint sa destination, pas entre-temps. Jarvan, sa compétence Cadence Martiale. Elle a 10% à tous les niveaux. Parce qu'avant c'était à 6, 10, 6, 8 et 10%. Et le délai sur même cible, et avant c'était 6 secondes tous les niveaux. Maintenant c'est 10, 6 et 8. Donc ça c'est un peu augmenté. C'est moins bon quoi. Ah, maintenant son bouclier coûtera moins de mana. Avant ça augmente au fur et à mesure. Maintenant ça sera 30 points de mana. Ce qui est très bien. Ensuite. Kassadin. Son bouclier magique, avant on lui accordait 40. 80, 120, 120, plus 200, c'était par rapport à son point de mana, et 0,8 de puissance. Maintenant c'est 40, 70, 100, 130, 160, plus 0,3 de puissance. Un peu moins puissant. Et Kha'Zix aussi est augmenté en augmentant la portée de son A. Par contre, la durée de son camouflage, au lieu de 1 seconde entre les deux activations, est augmentée à 2. Donc pour Lissandra, l'étourdissement aurait désormais le déplacement du champion ennemi, les dashs, etc. Donc c'est très bien ça. Malphite, son bouclier de granit. Avant c'est 10 secondes à tous les niveaux, maintenant c'est 10, 8 et 6, au niveau 1, 7 et 13. Sa Z avant coûtait du mana en fonction de son amusement, donc il coûtera 25 points de mana tout le temps. Donc il y a eu un nouveau ratio sur la cible, sur la A de Miss Fortune, ratio plus intéressant. Hop, ensuite. La correction d'un bug sur Fizz, ça c'est pas très grave. Kog'Maw, ouais, ça c'est pour sa portée. Il n'y a pas grand chose de très intéressant. Ah si, maintenant, quand Darius avant nous claquait, hein, nous attaquait, il avait l'effet de l'hémorragie sur nous, et avec le sang, on pouvait stopper cet effet-là, et maintenant, ils l'ont supprimé. Donc, question que j'ai maintenant, le rasoir de Madred, avant c'était plus 60% de dégâts contre lui, maintenant c'est plus 50%. Pareil pour l'antenne de Wiggle, qui était plus 100, maintenant, ça a été descendu à plus 75%. Il a été un peu nerf le stuff car aussi les dégâts d'attaque au lieu de plus 15 passaient à plus 12 et des attaques au lieu de 35% est à 30%. Donc qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre? Eh ben pour l'instant je crois pas grand-chose d'intéressant. Ah, si, délai de récupération initiale de la relique au lieu de 120 secondes c'est 30 secondes, ça fait très intéressant. Récompense globale, on peut quand on tue le dragon, on augmente de 20 gold, donc 145 gold. Et après c'est pour le sort fortification que je n'ai vu personne jouer avec. Donc voilà. Alors, passive. Oh oui, alors qu'est-ce qu'il peut y avoir? Je sais que c'est pas encore très bien fait comme ça s'appelle, comme le news, mais c'est juste pour vous informer à peu près des news qu'il va y avoir. Donc voilà. Donc c'est tout ce qu'il y aura eu pour aujourd'hui, pour ce LOL News. Un peu fait pas très bien, je l'avoue. Mais bon, j'espère comment vous avez compris les principaux, les changements, les champions, ce qu'il y aura eu. Donc voilà, il y aura aussi des mises à jour graphiques sur les maps, enfin sur les sorts d'invocateurs, sur la map, je crois. Je suis pas sûr, je vais aller tout de suite voir ça. Ouais, pas du tout. C'est juste les changements des reliques qui vont encore changer le système de jeu, ça qui va être très intéressant. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu, que vous aurez appris quelque chose dans ce LOL News, au lieu de lire tous les patchs, vous avez écouté même pas 5 minutes de vidéo. Donc voilà les gens. Donc on se retrouve à la prochaine pour un nouveau LOL News.